Coucou mes choup-choup, comment allez-vous aujourd'hui? Moi très bien, c'est le week-end, c'est décembre, c'est bientôt Noël, il a même neigé hier chez moi, c'est la folie totale. Et aujourd'hui on se retrouve pour la woodbox du mois de décembre. Oui, alors là comme ça, ok, ça se voit pas spécialement que c'est décembre, mais rappelez-vous c'est réversible maintenant. Donc le vrai thème on le verra quand j'aurai fait le switch. Malin! Donc allons-y, le thème de ce mois-ci c'est Star Wars. Non, vous savez que je suis une grande fan de Star Wars, alors je préfère les Sith aux Jedi, j'avoue, je trouve que les Jedi ils sont plan-plan. Je suis désolée, hein, le côté de on doit pas aimer parce que oh là là, ça perturbe la force. On a qu'une vie quand même, parce que le Jedi une fois qu'il est mort, bah ok, il a eu que la force, mais du coup il a vraiment eu que ça toute sa vie quoi. Alors que les Sith, bah les Sith ils kiffent leur life, tu vois. Quelqu'un t'énerve, bim, tu l'étrangles, c'est quand même plus sympa. J'arrête, je vais passer pour une psychopathe, non mais vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est plus... je les trouve plus fun, tu vois, plus vivant. T'es plus dans la vie, quoi. Bref. Donc, c'est une box spéciale Star Wars. Si vous la voulez pour Noël, attends, parce que j'ai des dates. Il y a deux types de livraisons différents. Si vous la voulez absolument pour le bas du sapin, imaginons si c'est pas pour vous, hein, si vous voulez faire un cadeau à quelqu'un, c'est jusqu'au 4 décembre pour la livraison sans suivi, donc la moins chère. Et si vous prenez par contre en Colissimo, vous avez jusqu'au 8-18 décembre pour l'avoir à temps. Donc ça va, Colissimo, mais la livraison est un peu plus chère, donc vous voyez, on hésite, et on n'oublie pas bien sûr code promo Thibou, qui vous donne 3€ de réduction sur la box, au cas où, voilà, ça nous fait plaisir. Voilà, bref, on y va enfin avec cette box. Nous avons un fascicule, oui bon bah jusque là, hein, voilà, il n'y a pas de nouveauté. Hein. Alors le Pinsounet, j'ai un Pinsounet, ah oh, sympa. C'est un Pinsounet Star Wars, hein, bah, il n'y a pas trop de suspense non plus, puisque c'est le thème de la Bobox. Hein, donc ça, c'est le casque de la Résistance. C'est mon petit chasseur qui le porte. On le voit pas. Ah si, il est là. Oh, il est trop beau. Hein. Attends, voilà, tu le vois, voilà, le focus, il s'est fait. Lui, il est beau. Hein. Mais il est beau que dans le film, hein, profitez-en, parce que dans la vraie vie, il est pas... C'est Poe Dameron, je crois, le nom du perso. Oh, qu'est-ce qu'il est beau, ce mec. Oh, donc voilà, c'est son petit casque. Enfin, c'est pas que son casque à lui, hein, c'est le casque de toute la Résistance. Mais alors, il y a deux boîtes. Alors, je sens qu'il y a une figurine pop. Je devine la pop. Je vais essayer de vous la montrer à vous. Connaissant mes goûts, est-ce que je vais la kiffer? Bon, alors, c'est du Star Wars, ça c'est sûr. Est-ce que je l'aime ou pas? C'est Princesse Leia! Bien sûr que je l'aime, et c'est une exclusivité Woodbox. Donc en gros, si vous êtes collectionneur de pop, ou même si vous adorez tout simplement Star Wars ou les pop Star Wars, bah celle-là, vous l'aurez que dans la Woodbox. Donc faut acheter celle de décembre, quoi. Vous êtes marrons, hein. Je vais la sortir là-bas. Alors, il y a tout ça derrière. Je sais pas si on pouvait avoir tout ça ou pas. Mais Boudjou, il y a du paplin. Il y a mon petit pot. C'est bizarre comme nom. Oui, ça fait penser aux Teletubbies. Je suis d'accord, c'est moins glamour, mais désolée, c'est son nom. Hein. Regarde, il est là. C'est mon petit pot. Lui, il est beau. Hein. J'ai hâte de le revoir dans la suite, d'ailleurs. Oh, c'est trop cool, c'est une bubblehead. J'adore ça. Vous savez, comme j'adore les... Voilà. Oh, Leia, un peu de respect pour Leia, qui est une des femmes les plus badass de toute l'histoire du cinéma. Regardez comment elle est belle. Franchement, elle est super belle. Non, mais le bubble, j'avoue que moi, quand ça, j'adore. Ça me plaît beaucoup. Non, Leia, puis Leia, voilà. J'adore les femmes dans Star Wars. Pour moi, Padmé, c'est une des meufs les plus ouf du monde. Alors, elle est quand même trop classe. Même si elle tombe amoureuse d'un con. Bah, je suis désolée, ça arrive aux meilleurs d'entre nous. Hein. Mais alors, Leia, elle est... C'est Leia, quoi. Donc, on va la mettre... jamais où? Bah là, on est pas mal, là, avec, devant Madame Tétu. Hein? Moi, je trouve que c'est pas mal, Madame Tétu. Je suis très contente, franchement. Attends, je regarde vite fait. Oh, on pouvait avoir Rey aussi, Kylo Ren. Oui, alors ça, c'est le Sithounet, hein. Lui, c'est un Sithounet, tu vois. Bah, c'est un Sith qui se cherche, ça me va pas. Pour moi, un Sith, faut qu'il soit pleinement heureux d'être Sith. Sinon, ça sert à rien, c'est juste un ado tourmenté comme un autre, hein. Chewie, BB-8... Ah, ça c'est dans les nouveaux, je connais pas. Il y a une rose apparemment. Je ne connais pas encore les nouveaux personnages, n'ayant point vu le dernier film. Et ouais, bon, j'aurais été contente d'avoir Poe ou Rey ou Luke. Luke Skywalker, quand même. Mais bon. On est très très bien avec Leia. Hein. On est très très bien. Mais de toute façon, je pense qu'on pouvait avoir que Leia si c'est elle la pop exclusive. Je pense, hein. Parce qu'elle est même pas derrière. Donc c'est vraiment une exclue. Et ça c'est fort, franchement. Je trouve que quand tu peux avoir des produits exclusifs comme ça, d'une licence qui est quand même super connue, ça rajoute quand même un sacré poids, hein, à tout ce qui est box ou même site internet, tu sais, les sites qui peuvent nous avoir des exclus et tout. Mine de rien, GG. Alors, il nous reste plus grand chose, il nous reste un petit cahier BB-8. Moi je prends, tout un cahier c'est BB-8, hein, voilà, il est trop mignon. Et il y a des petites... Voilà, c'est ça que je voulais savoir, c'est tout bête, mais il y a des lignes dedans. Voilà, c'est un petit cahier. Bon alors ça... Ça fait un peu gadget à côté, mais bon, on peut pas avoir que... Oh!
J'avais pas vu R2-D2 derrière. Oh, R2-D2. R2-D2 et BB-8, c'est... Mais R2, je le connais mieux, vu que... Enfin, on passe 6 films avec lui, quasiment. Je crois qu'il est dans les 6, hein. Pour moi, R2-D2, c'est The Choupinou, quoi. Mais BB-8... Il est bien à la hauteur. Franchement, il est dans la bonne lignée. Bon, c'est fait exprès, clairement, hein, mais ils ont très bien géré, je trouve. Donc, un cahier, une pop. On est déjà... on est pas mal. Hein. Alors, il y a une boîte. Il y a Star Wars marqué dessus. J'ai pas encore vu ce que c'était. C'est pas mal. Vous voyez pas, là. Mais moi, je vous le dis. Oula, c'est pas mal. Regarde. C'est des boules de Noël Star Wars. C'est ouf. Et encore une exclusivité Woodbox. Ah ouais, non, mais si vous kiffez Star Wars, vous allez adorer cette box, hein. Attends, dis-moi, attends, parce que moi, à la base, bon, je me suis un petit peu fait schmutz cette année à avoir des couleurs de sapin pour faire un truc assorti. Bon, le noir, de base, voilà, c'est pas spécialement la couleur qui ressortait. Mais regardez ça, elles sont vraiment pas mal. Alors, on a une box Sith. Donc d'un côté, on a le mec badass et le logo des Star Wars. Est-ce qu'il y a marqué Woodbox dessus? Non, quand même, non, quand même. Non. C'est juste sur la boîte. Hop, le méchant et les sympas à côté. C'est pas très compliqué de les différencier, hein. Enfin, je pense que c'est sympa, je connais pas... J'avoue que les vaisseaux... Bon, à part le Faucon Millenium qui est cultissime, mais sinon, tous les autres vaisseaux... Bon, ils ont la même tronche. J'avoue, je suis désolée, hein. Les vaisseaux, ça me parle pas, mais j'ai l'impression quand même que c'est un vaisseau sympa, ça. Vous me direz si je me gourre. De toute façon, vous aimez bien me dire quand je me gourre, je comprends, c'est de bonne guerre. Donc, deux bouboules pour le sapin. Bon, par contre, noir et rouge et noir et d'eau. Ouais, celle-là, à la limite. Mais j'ai pas de noir sur mon sapin, je dirais, à un moment. Je les mettrai ailleurs dans la maison. Ça reste Noël, hein. C'est... Non, très sympa, très sympa. Mais en plus, ça fait un petit clin d'œil à Noël, j'apprécie beaucoup, vraiment. Et enfin, le t-shirt. Alors, je sors ça du plastique. Oh, bon, ça va être un t-shirt Star Wars, c'est obligé. Maintenant, j'espère que c'est... Ah, j'aurais bien un bon Dark Vador, là. Ah, mais je suis très très fan de Dark Vador. Moi, Dark Vador, c'est mon chouchou d'amour. Hein. Pas Anakin. D'accord, Dark Vador. Donc, alors, on est prêts? Êtes-vous prêts? Moi, je le suis. Je suis grave au taquet. Alors, 1, 2... Moi, je le vois pas encore, je vois que de dos. Est-ce que ça va me plaire ou pas? C'est du Dark Vador? Attends, je regarde. Oh, chat sorti! Oui, alors je connais pas les noms des trucs, mais ça, c'est pas. Pour moi, ça, c'est pas vraiment un vaisseau. Tu sais, c'est des petites espèces de petits. J'appelle ça des mouches, moi. Tu sais, comme les mouches qui t'emmerdent quand elles tournent autour. Ben, ça, typiquement, c'est des espèces de mini vaisseaux chiants qui ont un peu espions ou qui t'emmerdent, tu vois. Et genre, à chaque fois, ils les explosent par paquet de nez, mais il y en a 5 millions, donc. Et j'aime bien, c'est sympa! Bon, alors, c'est pas du Dark. C'est pas Dark Vador. C'est pas Dark Vador, mais il est cool, hein. Et c'est encore une fois du Star Wars. Ça, je trouve ça super cool. Qu'ils arrivent vraiment à nous avoir des t-shirts exclusifs comme ça à chaque fois. C'est vraiment génial. Hein. Ah, je suis contente. Il est beau. Hein. Puis bon, ça reste quand même côté Sith, tu vois. Moi, ça me va. Tu vois. Non, parce que j'aurais pas voulu une. Bon, Yoda, je l'aime bien quand même. J'aime pas trop les Jedi. Les Jedi, ils sont prestige, mais je les aime pas trop. Mais Yoda, c'est l'exception, tu vois. Non, il est très sympa. Ah, vraiment très très sympa. Bon, bah, du coup, attends, je fais le switch de boîte et on se retrouve. Et voilà, je l'ai faite. Alors honnêtement, ça prend vraiment 2 secondes à faire une fois que t'es habitué. Hein. Franchement, là je l'ai même... D'habitude, avant, ce que je faisais, c'est je coupais la caméra, j'allais sur le canapé, je passais 5 minutes, tu vois. Là, je l'ai fait debout, j'ai même pas bougé, tu vois. Mais non, mais alors, je vois pas ce que c'est. Ça me fait penser à R2-D2 avec le bleu et gris. Sinon, c'est un vaisseau. Je pense que c'est R2. Peut-être que c'est R2, je sais pas. J'ai un peu de mal à comprendre. Vous allez sans doute m'éclairer avec vos lumières, mais là, pour le moment, j'avoue que... Ouais, bon, pourquoi pas, hein, c'est pas ma chouchoute, hein, clairement, pour un truc de Star Wars, tu vois, ils auraient pu mettre, je sais pas, c'est vrai que c'est pas si simple. Peut-être un petit C-3PO, bon, c'est pas actualité, parce que C-3PO, il est... Quoique si, on le voit dans le dernier film. Si, bah, C-3PO, non, mais c'est peut-être R2, si c'est R2, je suis contente, sinon, bah, en même temps, comme je vois pas ce que c'est, éclairez-moi. Dites-moi ce que c'est, parce que là, je sèche. Et le fascicule, attends, n'allez pas oublier le fascicule, quand même. Oh, je suis trop déception, ils ont fait une page seulement. Avec les têtes. Avant, il y avait 2 pages. Oh, j'espère qu'ils remettront, hein. Oh, il est beau, lui. Je vous cherche. Ouais, je pense que c'est lui, je vais vous montrer, hein. Il est grave beau, ce garçon. Regarde. Pour toutes les filles, voilà, regarde. Et le petit barbu, c'est mignon, le petit barbu. Hein. Par contre, en plus, c'est une vieille box, je comprends pas. Ah bah non, je suis bête, c'est Stranger Things. Non, c'est la box du mois dernier, c'est moi qui suis... Ça passe tellement vite, le temps. Oh, Seigneur. Donc, ouais, il est mignon, Monsieur Casquette. Enfin, Nico aussi est mignon, mais c'est pas... Monsieur Casquette, c'est un ami à moi, c'est pour ça. Alors, la liste de Noël de l'équipe. Ok, donc oui, beaucoup de pages de pub. Hein. Oh, la méga woodbox du mois. Qu'est-ce que vous pouvez avoir si vous avez du bol? D'abord, qu'est-ce que c'est que ça? Un truc, une figurine de Dark Vador à 400 balles. Moi qui kiffe Dark Vador, j'avoue que 400 balles, c'est un bon budget pour une figurine, déjà. Là, c'est...
un iPhone 10. Waouh! Alors rien que ça déjà, je pense que vous êtes plein à vous damner pour cette box, hein, avec le Dark Vador qui est là. Vous avez, bon après, un droïde connecté qui va avec l'iPhone X. Une PS4, mais non mais c'est pas possible. Et un petit chasseur X-Wing qui vole, c'est télécommandé. Purée, alors la box de ce mois-ci, ils ont craqué, mais vénère, en même temps c'est la box de Noël. J'avoue, c'est décembre, s'il y a un mois dans l'année où il faut craquer de ouf, c'est là, hein. Oh, mais si mon frère il pouvait recevoir ça, il serait tellement ouf. Mon frère Star Wars, c'est toute sa vie, tu vois. Non, j'exagère, mais on va dire un bon 3/4. Princesse Leia, elle est à 20 balles. Oui, bah en même temps, c'est une exclue, hein. Donc je pense que ça, tu vois, typiquement, si elle est à 20 euros maintenant, bah dans quelques mois, si elle est à partir du moment où elle sera plus vendue en fait par Woodbox, ça risque de prendre de la valeur. C'est le problème des trucs exclusifs, quoi. Le t-shirt du T-Fighter, oui, petite mouche, 20 euros. Chasseur T, moi je dis en français, hein. Le petit carnet, 4 euros. Eh, mais non, attends, là, attends, mais c'est super rentable, rien que là, on a 40 balles, hein. Les boules de Noël, 10 euros. Ça va, clairement. Et le petit pins, 4 euros. Eh ben, ma foi, je crois qu'on peut dire que c'est une très bonne box. Hein. Honnêtement, il y a le petit clin d'œil à Noël qui fait plaisir, parce que quand même, c'est décembre. Mais la box sur le thème de Star Wars est super bien foutue, quoi. Il y a de tout. Mais la pop, c'est que, clairement, c'est le truc... tu vois, c'est le truc qui fait monter la valeur directe. Après, les boules de Noël, c'est très mignon. Le petit cahier est très mignon, mais c'est vraiment la pop qui est... waouh. Bon, après, c'est sûr que... Bon, de toute façon, si t'aimes pas Star Wars, tu prends pas cette box, hein, mais... N'oubliez pas, si vous voulez avoir la box pour Noël, je vous remets les dates en description. Ou là, je verrai, enfin, ou les deux, mais... donc, ne traînez pas trop, parce que, bah, je pense qu'elle va quand même assez vite partir. Puis Noël, ça arrive vite, termine de rien. Oui, non, mais on va pas en parler, parce que je suis tellement à la bourre. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi j'ai pris un grand plaisir à la tourner comme d'habitude, parce que c'est vraiment une box que j'apprécie. Pour le thème du mois prochain, donc pour janvier, je sais que ce sera old school. Ils ont mis la pub sur Twitter et j'ai vu qu'il y avait Malcolm. Si je pouvais avoir un truc avec Riz, parce que Riz, j'étais amoureuse de lui. Parce que Malcolm, je regardais ça quand j'étais au collège, moi. Enfin, ouais, début collège. Et j'étais amoureuse de Riz. Dans les dernières saisons, parce que dans les premières, il est vraiment stupide. Mais dans les dernières, je le trouvais mignon, tu vois. Avec les petits pics, là, qui étaient à la mode dans mes années. Oh là là. Donc, bref, j'étais amoureuse de Riz. Donc, si en janvier, je peux avoir un truc avec Riz, ça fera plaisir à mon âme d'ado. Non, parce que d'enfant, c'était Peter Pan. Chacun sait. Chaque âge a ses fantasmes, hein. Chaque chose en son temps. Bref, j'arrête de parler. Je vous retrouve demain matin pour le calendrier de l'Avent et demain après-midi pour une prochaine vidéo. Je pense que demain après-midi, ce sera le compte-rendu lecture du mois, puisque j'ai quand même beaucoup lu et j'ai plein de choses dont j'ai très hâte de vous parler. Je vous aime très très fort, passez un très bon week-end et bien sûr, on n'oublie pas... Pouka pouka pouka.